Ben, c'était du CGT. Qu'est-ce qu'on est bien sans télé? C'est quand ça marche pas. C'est vraiment de la merde pour l'âme. Mais aujourd'hui, il s'est passé des trucs. Je ne suis pas content du tout. Et Michel n'est pas content du tout non plus. Asie avait dit oui pour prêter le camion. Hop, je l'ai eu au téléphone, il a dit oui pour prêter le camion. Et c'est Yacine qui a foutu la merde. Le camion, il n'a pas bougé, le capot est toujours froid. Hein. On avait pour 1 heure à bouger une moto, un vieux 125, qu'il n'y a plus de papier, que voilà. Pour pas le jeter, et parce que tu peux pas le donner à... Si, tu pourrais le donner aux gitans. Lui, il s'en fout des cartes grises. Lui, il ramasse la ferraille, c'est pour la ferraille. Il s'en bat les couilles. Mais là, c'est pas gentil, du tout. Ouais, une fois il m'a coupé le nez au couteau, ouais, une fois il m'a fait. Hein. En fait, Yacine me prend pour un con, mais c'est lui le petit con. Tu vois? Et là, je suis pas content. Et Michel, il avait pris des sangles, il avait pris de quoi protéger, il a pris tout, comme ça. On avait pour 1 heure. Et le camion, il a pas bougé. Alors, tu vois. C'est pas de dire les Arabes, ils ont pas de parole. Moi j'aime bien Aziz. Aziz il avait dit ok. Mais son neveu c'est vraiment un petit con. Et d'ailleurs il devait m'appeler le mardi pour aller réparer la voiture à son père. Alors il n'y a pas appelé. Le moment de prendre le camion qui n'a pas bougé. Alors voilà, vous cultivez vous-même le racisme parce que vous n'avez pas de parole. De la merde. Pas possible ça. Pas parce que vous... votre prophète, il est arrivé 600 ans après, donc vous avez 600 ans de retard à l'allume-âge. Voilà. Venez m'égorger, venez à tout ce que tu veux, je m'en branle. Comment tu veux rassembler les chrétiens, les musulmans, et puis les juifs, et puis les trois monothéistes, les trois éléphants, les trois tortues? Ça rame, Adam. Putain, qu'est-ce que ça rame? Et merde, hein, y en a marre.